Depuis bientôt 20 ans, nous organisons la Farandole des Ancêtres, un rallye de voitures très anciennes. Évidemment, nous n'avons pas choisi au hasard le mot la Farandole, puisque tous ces vieux ancêtres se donnent la main pour faire une grande ronde en Provence. Les véhicules qui participent au rallye leurs participants surtout sont amenés à découvrir la Provence et en l'occurrence la partie gastronomique, historique. Voilà, c'est tout basé sur le plaisir de venir en Provence. Et tous les participants qui sont là aujourd'hui sont tous de régions extérieures à la Provence. Nous avons même des participants qui viennent de Suisse, de Belgique, du nord de la France. Enfin voilà, c'est un rassemblement de passionnés de très très anciennes voitures. Aux environs des belles années 1910, lorsque le monde découvrait l'automobile, une pauvre femme abandonnée avec ses fils par son mari qui s'était enfui à la ville dans une superbe panard et le vassor qu'il conduisait en plein essor. Lui écrivait ses mots d'espoir en pensant que peut-être un soir il reviendrait tout comme avant au lieu de partir dans le vin. À la porte du garage, tu paraîtras dans ta superbe auto. Il fera nuit, mais avec l'éclairage, on pourra voir jusqu'au flanc du coteau. Nous partirons sur la route de Narbonne, toute la nuit, le moteur brandira, et nous verrons les tours de Carcassonne se profiler à l'horizon de Barbera. Le lendemain, toutes ces randonnées nous conduiront peut-être à Montauban. Et pour finir cette belle journée, nous irons nous asseoir sur un banc. Quel programme elle avait trouvé là. L'époux volage, hélas, ne revint pas si tôt, escamoté par son nuage de poussière, courant partout, Nice, Paris, Paris-Bordeaux, sans se soucier de sa famille dans l'ornière. Il courut ainsi pendant plus de 40 ans, et puis un soir, tout le pantin, il revint voir sa belle d'antan qui avait appris à ses enfants ce refrain que les larmes aux yeux, il répétait aux deux bons vieux. Il s'agit de la plus petite hispano construite, elle date de 1916 et donc elle a des particularités très originales, notamment c'est rare de voir une dynamo de forme carrée, hein. Évidemment le démarreur est également de forme carrée et puis ben, ma foi c'est sa première sortie puisque depuis que son propriétaire a la voiture, ça fait plus de 15 ans, il n'avait jamais roulé avec et là pour la Farandole c'est ses premiers tours de roue et ses premiers kilomètres. Voilà. Il est équipé de des petites moulures et tout ça, c'est vraiment... Et la voiture, elle a été faite donc à la carrosserie La Parisienne à Madrid. Donc c'était un carrossier français qui était installé à Madrid, c'est pour ça qu'il appelait La Parisienne. Et tout l'équipement électrique, c'est comme sur les Rolls et autres. C'est-à-dire en 1916, on pouvait commander déjà chez Hispano l'équipement, l'éclairage électrique. Et tout, voilà. C'est très rare, ça c'est vraiment très très rare. Et la voiture, c'est une voiture carrosserie de luxe. C'est, l'intérieur est magnifique, elle est vraiment très très belle. Quel bonheur à la porte du garage, quand tu parus dans ta superbe auto, papa, il faisait nuit, mais avec l'éclairage, on pouvait voir jusqu'aux flammes du coteau. L'hiver, quand le démarrage est difficile pour la voiture, et comme l'essence, elle arrive du carburateur qui est très loin, parce que le carburateur est là-bas, et elle rentre dans le moteur ici. Donc, pour gagner du temps, on met une goutte d'essence là, on ouvre le robinet, on met une goutte d'essence là, et on démarre. C'est l'ancêtre du starter.
Voilà. Un véhicule d'une marque Louis Pierron qui est de 1912. Et bien, sa particularité, il y a deux brevets dessus, un qui est sur le démontage des roues rapides et un deuxième sur la boîte de vitesse avec un système à balancier qui était un peu innovant en 1912. Elle est pratiquement d'origine, c'est-à-dire toutes ces pièces sont d'origine. Il y a eu bien sûr un petit peu de carrosserie qu'on a eu à refaire, entre autres on a eu les ailes à refaire, un petit peu le devant du capot et tout. On a refait la sellerie. C'est une voiture avec laquelle on roule depuis 1988. On a changé déjà un train de pneus. Et là, tout à l'heure, mon mari vous a parlé du brevet qu'il y avait sur cette voiture pour le changement des roues. Et bien, on a eu à le mettre en application parce qu'on a dû changer la route. On a modifié la roue arrière droite qui commençait à s'abîmer parce qu'on roule tellement avec. Et en fin de compte, le brevet, c'est de... On a une clé spéciale. On met la clé dans l'écrou. On tourne. On sort la roue très facilement. Et on remet l'autre à la place et on revisse. Voilà. Quand on a beau temps comme aujourd'hui dans votre pays, dans votre région, on profite du paysage, on profite du soleil, on profite des gens qui sont très chaleureux. Et on a vraiment plaisir de revenir à la Farandole parce que depuis qu'on a connu Camille et toute son équipe, c'est avec grand plaisir que nous refaisons ce rallye de fin de saison. Nous venons de Belgique en effet. Avec quelle voiture ? Avec une De Dion Bouton qui date de 1903. C'est une Type R monocylindre de 8 chevaux. Ça roule à du 35-40 à l'heure quand tout va bien. Et nous l'avons depuis une bonne trentaine d'années. Ah, quel bonheur à la porte du garage quand tu parus. Dans ta super moto, papa, il faisait nuit, mais avec l'éclairage, on pouvait voir jusqu'aux flammes du coteau. Demain, sur la route de Narbonne, toute la nuit, le moteur brombrira, et nous verrons les tours de Carcassonne se profiler à l'horizon de Barbera. Pour terminer ce voyage de poète, et pour fêter ce retour du passé, nous te suivrons tous deux à bicyclette, en freinant bien pour ne pas te dépasser, en freinant bien pour ne pas te dépasser, en freinant bien pour ne pas te dépasser. Pa, pa.